Restez ici, ne bougez pas. Il y a une bombe sous votre siège. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Mais oui, les viewers sont en danger. Ils vont tous exploser. Ça va pas, l'arcade, arrête. Ils vont pas exploser. Mais si, ils vont exploser de rire. Non, je rigole. Et bonjour à toutes et tous, c'est Blarkane. Et oui. Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 43. Et de mon let's play sur le jeu Monster Hunter World. Et je vous retrouve toujours avec Gizmo, toujours avec l'armure de l'Odogaron du mode Nobis. Et parce que c'est le plaisir, parce que nous avons des bébêtes à attraper, des bébêtes à trucider. Dans le dernier épisode, c'était le festival du grand Jargoas. Et bien aujourd'hui, ça va être le festival, oui mes amis, du canard. Le festival du canard à l'orange, le festival de Ward the Duck. Oui, nous allons chasser le Kolo Yako. Et donc nous allons essayer de l'attraper, et de le dépecer, et de le tuer, et de le capturer. Bref, ça va être épique. Hop là! La chasse au canard. Pour chasser un bon canard, faut se mettre dans les fourrés. Avec le fusil, tu vois le canard qui arrive, paf, tu tires. Et si tu le vois pas arriver, paf, tu tires quand même. Ça, c'est un bon chasseur de canard. Ouais. Tic, 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 tic. Allez, on va manger, on va manger, on va manger. Et on va chasser le canard. Ce qui devrait me débloquer une quête libre pour pouvoir le tuer. Donc on verra, on verra, on verra. Ah oui, j'en baille tellement. Je suis excité. Hop là, le jeu vous donne de quoi le capturer. Commence à être bon pour la capture de la chasse au canard. Donc on va aller chasser. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a des pouki-pouki, des monstres de pabou. Un grand Jargoas, mais bon, on va pas le tuer, ça ne sert à rien. À part récupérer des objets pour pouvoir faire son armure, que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas du tout farmé. Non, c'est pas par là. Oh, attendez. J'ai trouvé un éco-artefact d'un Kolo Yako. Oh les gars là, c'est bon hein. Vous voulez vous battre? Bon, et ben voilà. Et du coup, ça donne aussi des pots de Jagra plus. Donc même les petites bébêtes donnent des éléments supplémentaires. C'est intéressant. Il est là, notre canard. À l'orange. Hé, il y avait un lapin. Il y avait un lapin rose, vous avez vu ? Comme le lapin des steppes. Je savais pas qu'il y en avait ici, dis donc. Oui, je m'amuse. Je m'amuse, les amis, je m'amuse. Yahoo!
On va en profiter pour miner, en plus ça brille, donc il peut y avoir des choses intéressantes. Let's go. C'est pas mal. En fait, on est à, je dirais, à la moitié du jeu, je pense, au vu de ce qui se passe. Ah, des papillons! Les papillons, je les connais pas, ceux-là. Je vais attraper les papillons. Je suis trompé. Papillon, papillon. Papillon. Papillon! Ah bah si, je les avais déjà. Mince, je suis triste. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est quand même sympa, parce que... Le jeu vous dit, bah tiens, joue, vas-y, fais-toi flex, tout ça, suis l'aventure, tac, 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 tac. Et arriver à... Alors qu'on a 60... Moi, j'ai plus de 70 heures de jeu, là, pour vous dire. Olé. Donc, plus de 70 heures de jeu, et ils se renouvellent en disant, hey, maintenant, ils sont beaucoup plus difficiles, et c'est ce que tu pensais être le boss final n'est pas vraiment le boss final. Et il y a toute une nouvelle aventure qui se lance. Et je trouve ça vachement cool. En plus, les monstres, vu qu'ils sont plus forts, bah on n'a qu'une seule envie, c'est de se mesurer, même si c'est des monstres qu'on a croisés il y a longtemps. Bah on a envie de tester un petit peu notre puissance. Et voilà. Oh putain! Ah non, pas eux. Et ceux-là, ils sont méchants, ils sont très méchants. Et par là, les kalajakalaka chakalaka chaka. Je me souviens encore de la tollée qu'ils m'ont mis la dernière fois. Ils m'ont défoncé. Ça fait mal. Bon, il est où ce canet? Là-bas. Le canet là-bas. Tout ça pour revenir au point de départ, vous vous rendez compte? Allez, c'est reparti! Et mon kiki! Putain, il a volé un œuf! Il a volé un œuf, l'enfoiré! Reviens ici! C'est qu'en plus il court vite! J'avais oublié à quel point il court vite ce crétin de canet. Ok, on va le suivre. Il va aller dans son nid. On va le suivre. Ah, je crois qu'il est pas content, il lui a volé son œuf. Allez, c'est parti! Ya! Ya! Le pauvre, il est déplumé. C'est bien, il bouge pas. Il bouge pas, c'est trop bien. En fait, je le stun. Je le stun avec mes attaques. Ça y est, tu te réveilles.
Hop là, alors attends. Tic tic tic. Voilà, on va en profiter d'être là. On est en mode expert. Il y a des choses que je connais pas. Il y a des choses à capturer, à récupérer. Hop là. Bon, où est-ce qu'il est parti? Par là-bas. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, un peu de carbalite, ça ne fait pas de mal. Tic 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 tic. Toujours de la carbalite. Ou des minerais de fer, ça ne fait toujours pas de mal. T'as vu, il s'est barré super loin en fait, l'an passé. Il est là-bas. Il est là-bas. Nous allons pouvoir le tuer. Niveau vie, il peut encore encaisser. Ah non mais... Ramène pas le Pouquet Pouquet. Ah... Ah non... Ok, le canard se s'en va, il est mal barré. Putain... Je te déteste. Allez, on se casse, on te laisse tranquille. Je veux dire, je t'ai déjà attrapé, je t'ai déjà tué. C'est pas toi qui... Hop là, qui m'intéresse? C'est le Pouquet Pouquet. Je vais le capturer. Parce qu'après, il faudra que j'aille le tuer. Où est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens! Ah! Et maintenant, dodo! Bon, on a mis un peu plus longtemps à le capturer. Mais j'ai envie de dire, c'est plus parce qu'il était relou à trouver qu'autre chose. Et maintenant que nous l'avons capturé, ben on va pouvoir aller le tuer. Ouh, la gemme Wyvern Rapace. Ça brille, c'est que ça doit être bien. Ouh, deuxième gemme Wyvern Rapace, top bien. Joyau d'Atlantis, augmente le talent impuissant. Allez, joyau, je sais pas trop encore ce que c'est, donc j'y touche pas vraiment. Surtout que j'ai pas d'armure ou d'armes qui pourraient mettre des joyaux particuliers. Et j'ai l'impression que ça augmente des talents. Et donc ça dépend en fait en fonction de l'armure que tu as. Tu mets des talents pour augmenter un truc particulier et vaincre plus facilement peut-être un monstre. Je pense qu'il y a tout un système de stratégie. Sur ce monstre mystérieux, on va faire notre rapport aux archives écologiques. Hop là, le cochon, il fait dodo.
Hop là. Alors moi je prends souvent les rouges parce que comme je tue des monstres régulièrement ou je les capture régulièrement, ça me fait me gagner des choses intéressantes. Regardez, il est mort, le colleux. Hop. On n'a rien débloqué par là. On n'a rien débloqué par là. Très bien. On va mettre un engrais. Hop là. Tic-tic-tic. Parfait. Et si je me trompe pas... Si je me trompe pas, il y aura une quête libre pour aller chasser un Kuluyaku. Oui. Attention, est-ce que le Blarkan a raison? Oui, regardez. Et bah, hop là. Donc le jeu vous dit et vous montre hein, qu'il souhaite que t'ailles chasser tous les anciens monstres en mode expert. Il te force à vouloir le faire en mettant des quêtes niveau libre. Donc je fais bien de me faire chaque épisode un monstre. Capture, trucidage. Allez, festival de la viande. Hop là! Et maintenant, on va aller se chasser un canard. Après, je crois que le troisième, c'est le Pouké Pouké, donc on considère qu'il a déjà été fait au vu de ce qui s'est passé pour l'épisode 40. Donc on n'ira pas le... Oh, un Pouké Pouké dans les... dans le désert des termites. Intéressant. Alors, j'ai bien envie d'essayer de tuer des brebis galeuses pour savoir ce qu'elles nous le donnent en mode expert. Salut ! Un pelage de qualité. Et si je tue ces gros machins là ? Pensez que ça fait des trucs ? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Je crois qu'eux, ils nous donnent de la viande, hein, c'est tout. Ouais, voilà, ils nous donnent de la viande. Bon. Eh bien, chassons. Chassons, les amis. Les traces de pas. Hop, pas mal de choses. Et a priori notre canard est par là et je le vois. Si ça c'est pas beau. Bonjour. Bien, avec les explosions, on arrive à facilement à détruire beaucoup d'éléments du Kuluyaku. Aouh ! Ça fait mal ! Putain d'enfoiré ! Il m'a sonné. Gizmo ! Gizmo, s'il te plaît ! Gizmo ! Gizmo! C'est bien, Gizmo! Oh là! Eh! Hey, c'est pas parce que j'ai capturé ton pote qu'il fallait que tu sois méchant, hein! Bon, allez, c'est parti! On a commencé un petit peu!
Mince. Les combos sont pas assez fulgurants. Donc Fuck Metality m'a dit fais plutôt des attaques de type Y, ça t'évitera de faire des combos pour rien. Et il a pas tort. Aïe. Ya. Bon, il est par là-bas. Et par là-bas, nous, ce qu'on veut, c'est le tuer, hein. Ça, ça fait mal, madame. Eh, hey, le chat, tu peux m'aider là, hein? Je veux te battre. Putain. Ah non, pas les kalachak, la kalachak, pas la kalachak, tchak, poum poum. Gizmo, s'il te plaît, aide-moi. Gizmo, s'il te plaît, aide-moi. Bravo, Gizmo. Ça, c'est un bon Gizmo. Ça, c'est un très très bon Gizmo. Il a fait diversion, il a fait diversion, il a fait diversion. Ah, le trompe de bouton. Putain, il est en mode vénère là, le Kuluyaku, il est en mode vénère. Ok. J'ai fait pas beaucoup de dégâts là sur cette deuxième manche, hein. Il est par où? Le couloir. Il est juste là. Il s'est barré. Ouah, je l'ai fait sauter. Bon, déjà, on voit qu'avec le Kulu, c'est quand même moins rapide qu'avec... qu'avec le grand... Jardoise. Allez, là, t'as presque plus de vie, là, non? T'es d'accord? Après, je fais pas beaucoup de dégâts avec ces dagues, hein, ça se voit. On va dû prendre des dagues d'eau.
Et ben voilà. Bon, on arrive quand même à le tuer. Voilà. On arrive quand même à le tuer, il fait quand même des dégâts. Ramasser des cactus. Bon, et ben on peut dire que le Kuluyaku, le canard, et ben c'est fait. Nous l'avons vaincu. Mais on sent que je peux encore essayer de le tuer plusieurs fois pour essayer de d'augmenter ses étoiles. Je pense qu'après j'irai farmer en off. À l'occasion. Allez, viens. Viens faire un câlin. Hop là. Salut. On rend les quêtes. Le canard est toujours là. Allons voir le monsieur du grand compendium. Alors, je t'écoute. Je t'attendais. Je voulais te montrer les pouvoirs magiques des phénoménaux. En fait, je lis pas du tout ce qu'il me dit. Cet affreux continuera à faire des siennes tant qu'on n'ira pas voir ce qu'il en est. Objectif cryptozoologiste. Udracologie. Le Zola Magdalos. Le Grand Jaguas. Le Poké Poké. Et le prochain, c'est le Baros, mes amis. Le prochain, c'est le Barot. Après, c'est le Girotanus. Après, c'est le Tubby. Après, ouh là là, c'est l'Angeanette. Le Tizi, le Pao, le Rado, la Raciane, le Grand Géros, la Légiana, le Docaron, le Ratalos, le Diablo, c'est le... Ah, le Kirin. Ouh là là. Ouh, le Kirin. Et la Raciane spéciale, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, y a du monstre, hein, mes amis. Il y a du monstre à trucider. Information matériaux expert, bonus, bonus, plaisir, plaisir, bonus... Hop là, le coulou, le coulou. On peut voir les trucs en expert. J'ai encore des choses à récupérer, à trouver, hein, vous avez vu. Pareil pour le grand Jaguas. Alors je dis Jaguas, c'est vrai, c'est Jagras. Je sais pas, j'aime bien dire grand Jaguas. Voilà. Allez. Hey. Salut le vieux, comment ça va? Flex, les lunettes? On va mettre de l'engrais. Hop là, tic 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 tic. Du coup, accepter la vie en rose. Ah, il y a une mission? Ah, je l'ai pas vu. Ah, c'est peut-être ce que le vieux me disait. Le vieux me disait. Bah, j'en sais rien en fait. Je suis allé tellement vite que j'en sais rien du tout. J'ai vu que mon safari était terminé. Lance un nouveau safari. Avec Iblis l'aventurier. Et mets-toi sur le circuit A. Accepter la vie en rose. Mince, j'ai passé trop vite, je pensais que c'était genre... Bon. Peut-être prochaine quête, hein, du coup.
Cet affreux continuera à faire des siennes tant qu'on n'ira pas voir ce qu'il en est. De quoi elle parle? De qui elle parle? Je comprends rien. Hé, toi! La chasse se passe bien? Il paraît que tu t'es occupé de ces monstres et que la traque suit son cours, félicitations! Et avant que j'oublie, le cuistot m'a demandé de faire passer un message à l'équipe de terrain. Il a remarqué que la situation sur le terrain était devenue plus difficile. Alors il a fait jouer ses relations pour agrandir la cantine. Il a aussi parlé de gonflette, mais j'ai parfois du mal à le suivre. Les travaux d'agrandissement devraient être terminés d'ici à ce qu'on ait fini avec l'Anjanat. J'ai hâte de voir ça, pas toi? Allez, il est temps de s'y remettre. Comment ça, l'Anjanat? Comment ça? Comment ça? L'Anjanat, il fait des siennes? Ah, ah... La vie en rose. Nous avons repéré un puissant Anjanat, le top des monstres du Nouveau Monde. C'est une occasion en or ou en rose. Bref, il nous faut un échantillon. Au travail. Non. Non. Excusez-moi, monsieur l'agent. Voilà. Voilà, t'es pas par là, t'es pas par là. L'Anjanat n'est pas sur ma liste. Bah, t'es pas par là, regardez, c'est pas sur ma liste. Je veux dire, ma liste? Grand Chargoisse, check. Kuluyaku, check. Pouké Pouké, check. Et là, il n'y a pas marqué Anjanat, il y a marqué Balotte. Balance. Anjanat, bien plus tard. Ouh, plus tard, plus tard. Très 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 loin le Anjanat. Donc, on laissera ça de côté hein, pour le moment. Il est beaucoup trop dangereux. Balotte. Voilà, donc c'est lui qu'on fera, puis après c'est lui, puis après c'est lui, puis après... Eh ben c'est lui. Allez. Eh ben oui. Ouh. Mama. Comment tu t'appelles la tranquille? Excusez-moi, madame la tranquille. La tranquille, on arrête. Madame la tranquille. En fait, j'aurais dû prendre une femme, moi, dans cette aventure. Ils sont bien plus épiques. Les armures sont bien plus épiques. Bien plus épiques. Bon, c'est pas grave, tout ça pour dire qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, cette chasse au Kuluyaku était épique. On se retrouve très rapidement pour la suite, pour l'aventure, pour la chasse au Baros. Capture, chasse, trucidage et tout ça, tout le toin-toin, ça risque d'être top 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 moumoute. Donc j'espère que ça vous plaît. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve très vite, très prochainement, pour la suite, pour l'aventure, pour les business, pour le plaisir. Allez, à ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.